guerrier semblait toujours pas gagner nouvelle de Félix. Félix, qui c'est propriétaire morgue Sainte-Rose de Lima, en pile causé à parler, en pile parole à parler. Donc nous joignons en pile famille qui écrit nous, qui pour faire nous part de enlèvement. Et un enlèvement aussi, enlèvement spectaculaire, petite policière ça, qui était à deux rangs de l'eau dans les yeux. Donc ouais, petite, on a parlé, ouais, on m'attend, on va être de ce genre. Donc nous avons des témoignages là. Donc c'est une situation vraiment compliquée. Merci à tout le monde qui était poté bourré avec dame ça, pour être capable de permettre que les faits entièrement Maril et nous t'étendons dans quelles circonstances Marion lui-même t'a pas sorti dans funérailles maman et puis ont enlevé les nous t'étendons toute histoire yo, ça n'a pas même besoin retourner sur ça. Ça montrait que les gars harmonie, les gars tête ensemble, si nous voulons haïtiens, si nous voulons faire tête ensemble, si nous voulons faire coude à coude, grand pile bagaille que nous capable réaliser. Mais à chaque fois nous tomber dans division, dans chien manger chien, dans chirépite et puis nous ouais qui côté nous tomber et la journée jeudi. Donc c'est nous-mêmes qui pour gourmet pour nous remonter pantelan parce que situation nous vraiment compliquée. PR donc beaucoup gagné nouvelle sous Félix, mais information au bail que t'es une première libération, cependant il fin fait libération hein, et puis pour la l'entrée la Kaili il reprend encore après au fin bail premier cobla ou pas gagné trop information sur ca Félix là. Non, dernière nouvelle nous t'es gagné c'est que moun qui t'est al porter rançon aller yo t'es Kembel. Pendant que Félix lui-même, alors mon natal poté en soi, il n'a pas libéré Félix. Donc il était toujours Kembe Félix. Il y a un pile d'informations qui a circulé pendant tout le week-end sous situation Félix qui c'est responsable de morgue dans la capitale. Sainte-Rose de Lima, qui nol Félix nous connaît qui pas joui de en bonne santé. Information n'a pas toujours confirmé. Comme quoi, et le pire est arrivé avec Kenol Félix. Donc, jusqu'à présent, information que nous gagnons et que nous avons vérifié, fait qu'on est Félix toujours nommé ravisseur. Donc, nous ne comprenons pas pour qui ça, l'agent bail. Et monsieur a décidé qu'Embe Félix, est-ce qu'il a fait plus exigence? Donc, nous ne comprenons pas. Rappelé, ça fait déjà presque deux semaines depuis Bandi a été kidnappé Félix dans une zone côté business lié à pas trop loin pénitencier national. Donc ça c'est cas Félix là et mais gagné en pile l'autre zak kidnapping qui est enregistré pendant la dernière semaine ça yo pendant tout week-end là, en dépit de mesures nous connaît qui t'es prend pour faire que moun yo circuler à vite machine yo patenté mesures qui t'es bail dans un premier temps et résultat, mais depuis quelques jours là nous avons bandi yo utilisé une autre stratégie et qui vient faire yo recommencer kidnapper moun pour la plus belle, Bob C. Ah oui, pour la plus belle, donc, des mesures que nous-mêmes nous t'es questionné, autorité de l'État, yo, parce que si mesures ça yo apprend et puis pas gain bon gens accompagnement, bon côté population, bon côté investisseur, bon côté entrepreneur, parce que les vite machines entrepreneurs là ont été intégrés. Et donc, antenne qui était souliant, t'es une difficulté pour t'es capable de contrôler en dans machine. Mais automatiquement, on venait avec de nouvelles dispositions. Malheureusement, c'est une conférence de presse qui rentrait en projet loi finance, du jamais vu. Mais quand bien même, en pile monde espéré que y'a t'a besoin d'un accompagnement policière dans une série de quartiers et qui révélait comme quartier côté que kidnapper fait un pile kidnapping. Par exemple, là, on prend un bloc où il dit centre, ou Saint-Honoré, ou Pavé, et donc ou Champ de Mars, puis faut enlèvement au fait là. Et il y a deux tentatives d'enlèvement spectaculaires qui fait fin semaine qui sont passées là, où est tout des mounio perdu la vie. C'est moun qui t'a essayé chapper en bas enlèvement, monsieur yo, tué yo, et c'est papi loin là. Week-end, non, nous avons un jeune ça qui devant entreprise li et dans le bloc Mariani et nous avons ça qui arrivait donc li tenter pour le chaper pour lui, nous avons comment il crible en babal, donc ça aussi bagaille qui révoltant et nous t'ai dit que s'il y a venu avec de nouvelles mesures mais pour capable d'éteindre vite machine yo, mais qui garantit
l'État lui-même, la police nationale, li bay moun sa yo, est-ce que c'est pas vous et nous vous yo à la boucherie? Parce qu'on y a li très facile pour identifier moun nan, est-ce que le pou compte li? Donc, à cause vite machine ni qui visible qu'on y a, ou fin fait ça, et pour vous et dans situation, dans série des zones vraiment qui réputées des zones fragiles, tout ça c'est questionnement. Et bien, juge de Perpétionville là également, donc c'est dans le bloc quoi des bouquets, yo enlevé li pour qu'on ait nouvelle. Et sous l'île, donc pas qu'un contact avec parents, aucune nouvelle jusqu'à maintenant. Donc, c'est une situation qui est vraiment compliquée. Donc, cas spectaculaire, ça y est, enlèvement, ça y est, amis auditeurs, ils viennent enfoncer davantage doute monde, doute citoyen paisible dans la société, à questionner tête, mesure ça, pas du tout, du tout, du tout, dans avantage. Et puis, la grande question, et tout le monde dépensait que mesure ça y est, t'es à pour tes fruits, et puisque tu as gagné une semaine après décision ça yo que nous pas tendé et qu'à enlèvement. Et puis bip, ouais, enlèvement vient monter, ouais, comment sans inquiétude enlèvement a fait. Donc ravisseur yo, yo même yo étudier l'autre stratégie pour capable faire enlèvement. Situation vraiment compliquée. Les amis auditeurs, nous pral gagner pour nous parler avec un pile et parents victimes, mais c'est dans le téléphone parce que moun yo peut sérieusement yo peut la rien parce que situation vraiment compliquée. N'a pas pour nous tourner avec question kidnapping nan quoi là nous allons parler de manifestation hier là. Oui, mais juste avant, puisque nous avons parlé de insécurité, kidnapping, tentative kidnapping et qui menait à assassinat, et donc nous pas connaît si c'est si après une tentative kidnapping PDG TMS Lotoan après elle perdu la ville dans zone Lambi, c'est Maurice Mackenson, nous t'ai parlé de lui, qui mourit assassiné vendredi à dans le business li. Donc c'est pas pour première fois hein, Jean de Zax a arrivé dans zone côté business monsieur Aé, pas trop loin le Lambi zone Grissier, donc plusieurs Zax comme ça déjà arrivé dans zone nan, selon Mounio qui mandé autorité la police yo pour placer un sous commissariat dans zone ça, donc pour capable diminuer Jean de Zax a yo. Est-ce que ça gagne déjà eu pour tes fruits dans Jean de Zax a yo? Est-ce bon, que c'est augmenté sous commissariat, de mettre sous commissariat dans tout corridor même si vous voulez? Parce que je dis un policier arrêté, mais même policier fait témoigner là souvent. Il a passé devant base monsieur, il a nettoyé les amis, il a fumé bosio, gros manche longue bon côté, la police impuissant. La police impuissant. Je dis, hein, allez pour dire c'est sous-commissariat pour mettre. Est-ce que problème dans ce problème sous-commissariat gain et sous-commissariat gain qui ça yo fait déjà? Est-ce que vous empêchez enlèvement fait? Et souvent, enlèvement spectaculaire, ça yo, yo fait en bas Dieu la police là même. Y a passé en bas Dieu la police là, avec nous, yo qu'on vient prendre son même bon commissariat. Est-ce que son problème sous commissariat gain vraiment? Ou bien volonté, équipement, et puis, quoi la police là, en pile policier, avec gang yo, des policiers qui baillent moun, kembe moun pour yo, nan plan. Donc, c'est le problème, non, problème sous commissariat lié. Ils ont faux problèmes, il y a posé. Ils sont sous commissariat, ils ont faux problèmes. Et tout ça gagne, qui ça nous est comme résultat, en termes de résultats. Il y a kidnappé moun matin, midi, soir dans le bloc Delma. Est-ce qu'on a eu des patrouilles qui ont fait 24 sur 24 dans toute terre qu'on a kidnappé moun yo? Là, on a eu 10 centres, oui, c'est honoré. Il a enlevé moun. Est-ce qu'on a eu des patrouilles en permanence qui fait dans ce sens-là? Il y a un problème, un problème sous commissariat. Mandé sous commissariat, son faux problème lié. Parce que souvent, même moun wap mandé pour venir une bonne solution avec problème, non, yo fait partie des problèmes, non. Yo pas qu'à solution et problème à la fois. Et pas problème sous commissariat qui gagne. Donc, ça veut dire les corps spécialisés, une bonne corps spécialisée qui gagne dans la police là, qui déploiement spectaculaire guerrier, où est au fait dans des zones qui réputées côté appelé d'enlever mon matin, midi, soir, où est présence en permanence. C'est bon, ça veut dire problème, problème sous commissariat lié. C'est pas problème sous commissariat. Problème sécurité, elle n'est pas posée effectivement avec présence policière, mais présence la police là, elle est capable de mettre Mounio dans certaines confiances. Oui, ça capable de décourager bandits. Et c'est ça que fait en pile fois. Yo servi, yo détourné de présence ça, yo même pour yo capable de développer stratégie. Donc la police de temps en temps, faut que yo stratégie. Par exemple, là, yo quitté, on patrouille dans une zone pendant un paquet de temps, mais bandits lui-même, il connaît dans un carrefour.
fou ça, gon patrouille la police, mais l'éviter. Donc ça vient fait que malgré présence yo bandi yo même yo opéré sans problème. Donc ça me rapporte là, c'est tout au moins ça mon yo souhaité. Donc attendez, ministre justice n'a dit, attendez mon a dit zone de non-droit, pas gain zone de non-droit dans pays a. Bon pas gain zone de non-droit dans pays a. Pour qui ça on blocus monstre là depuis où rivé Fontamara, bon marché poisson. Hein? Juste où rivé devant sous commissariat Matissan, on blocus monstre. Pour qui ça pas gain des patrouilles spécialisées, des corps spécialisés cap fait sur route dedans la guerrier. Côté gain des patrouilles cap monter descendre sur route dedans là. Et bien là ça moi-même, nous t'a plongé dans Fontamara 43 avec quiétude d'esprit pour nous t'a capable désenclaver en terre ça qui toujours gon blocus en permanence, surtout les la pluie tomber. Donc bon nous dit pas gain zone de non droit ben nous pas ka aller. Nous pas ka même voyer on patrouille même aller faire dans zone puis n'a dit pas gain zone de non droit. Qu'est-ce qui va ka côté pas ka aller. Bon il y a une dans intervention et directeur de la police l'a dit tout pas gain côté au droit. Il doit prendre contrôle petit commissariat avenant. Yo fermé il prend toutes armes qui te la donne, il met toujours être fermé. Et puis n'a dit pas gain zone de non droit, pas grand ken côté l'état pas ka aller. Nous sous bluff finalement. Et va l'état ça. À qui ça n'a pas dérapé hein? Finalement avant. Bon, je dis, on fait 34 l'année depuis un pile monde est sorti dans la rue habillé en blanc après départ du Valier. C'était en 87 pour te voter pour première fois constitution ça qui t'apprend qu'on ait un seul amendement pendant tout le temps que l'IP existait, constitution qui s'est sous problème PIA à vivre, je dis, selon ancien président René Préval et nouveau président Jovenel Moïse, lui retourne avec même parole. Et ça, et c'est peut-être ça qui expliquait tout débat qu'a fait, je dis, sous constitution. Mais dans l'autre niveau, Mounio voulait profiter de journée ça, organisation de la société civile là, et opposition pour manifester dans la rue, je dis, pour demander. Et respect, constitution, oui, même Jacques, plusieurs autres organisations politiques, la société civile, la collectif, 4 décembre, il y a annoncé guerrier, la prend, la OUIA, jeudi, lundi, pour Alain. Manifesté dans l'occasion 34e l'année constitution 1987 l'an collectif lundi le saisi ouais Jean régime en place écrasé toute institution d'un pays d'après Jean Robert Argan pays a disloqué toute bagaille virée tête en bas et dans sens ça et c'est ça invité étudiants élèves jeunes cours grand monde toute catégorie vienne participer dans marche pacifique ça marche qu'après le fait pour exiger respect constitution hein, mais tout rendre hommage à tout citoyen qui victime en bas machine insécurité à qui pas suspendre valet terrain dans pays. En côté déclaration Jean-Robert Argan, coordonnateur général collectif 4 décembre, il était parlé comme ça dans micro Peterson Luxama. Jour constitution, c'est 29 mars lié et c'est un lundi lié. Donc nous avons décidé pour un jour à même pour que le monde qui est associé à travail, ou bien étudiant qui est associé à l'école, ou bien ça lié, il faut que vous connaissiez qu'on fait sacrifice ça pour là. Sacré business. Ça n'a pas de business, etc. Le 29 mars, c'est le jour de la Constitution. Donc, nous voulons commémorer la date parce que la Constitution, pour nous, c'est colonne vertébrale où nous liés. Donc, c'est pour un bagage comme nous avons bêtisé avec elle, c'est pour un bagage comme nous comprenons nous avons passé en papier ou Jean Pipito. Je pense que c'est un bagage extrêmement important et c'est dans le cadre de ça que nous décidons de marquer journée ça pour que tout le monde comprenne que la société civile nationale, que les citoyens haïtiens, que nation pas accepter une constitution qui représentait sa vie. Donc, et c'est ça qui est important. Parce que si nous regardons bien, pays nous aujourd'hui, hein, son pays qui est disloqué, pas rien, pas aucune institution qui a fonctionné. Dernier grand chouk de TRTA, c'était la police nationale. Et ça va vivre aujourd'hui, hein, nous voyons que gagné déjà annonce de implosion. Au niveau de la police, ça veut dire que même institution ça perd du jarret et tout. Donc c'était seul qui était arrêté. Alors ça n'a aucune autre institution qui vraiment a fonctionné, je vous ai fonctionné. Donc ce n'est pas normal. Son pays qui à l'envers, je veux dire. Donc nous pensons que l'important, et 29 mars, hein, pour que la population envahit la rue pour dire non et que lui-même est en tête de la constitution qui dit ça lui-même, les poulies. Ou bien pour petit yo dans 60 ans. Donc, et ceci, c'est simplement de mettre tête ensemble dans, en réalisant une conférence nationale ou internationale pour définir quand on voulait aller. Marche ça. Il y a bien deux points de rassemblement. Point de départ d'abord, c'est à la place de la Constitution. Et deuxième point de rassemblement, au carrefour de l'aéroport. On va se faire une si on a un maillot blanc, une chemise blanche, une belle. Si on va gagner, pas de problème. Mais on signe
que nous avons quand même que nous faisons effort. Nous dispensons mettre un brassard noir. Ceci, c'est un hommage à notamment des policiers qui ont martyrisé, comme nous connaissons l'autre jour, mais aussi et à toutes ces victimes de l'insécurité. Toujours dans ce qui a rapport avec constitution qui presque vient de patcha net. Bon, il y a fait tout le gens pour rentrer le net. Dans l'occasion 34e anniversaire, Maman Loi PIA, débat aux amis auditeurs continue centré sous projet amendement constitution 29 mars 87 la Greg. Si on bonne citoyen dans la rue en quoi, il y a nécessité pour qu'on passe maintenant Maman Loi PIA, c'est un autre quoi également. Processus là pas bien abordé. Reportage Jean-Georges Blaise. Constitution 1987 là, c'est une plus belle constitution qu'il y a, qui garantit un paquet de droits à citoyens. Des dates à aujourd'hui, constitution pas jamais respectée et c'est toujours problème ça qui gagne dans la société. À ta simple citoyen dans la rue, parité bouche fermée dans débat sur projet amendement, Maman Loi payant différents secteurs dans la vie nationale là par les mêmes gens et malgré tout ça qui déjà fait comme démarche pour chercher bay pays a une nouvelle constitution dans au moment côté ti bout de ça a jambé yon passe qui si difficile surtout avec yon contexte politique qui cause yon bonne moun pas croire dans yon demain meilleur. Est-ce que passer mais ou bien changer document ça après 34 l'année constitution 1987 là capable faire yon l'autre vent souffler sur Haïti qui nan ke camionnette là? Est-ce que tout ça qui écrit dans Maman Loi paysan déjà appliqué? Malgré tout citoyen nous pral tande là yo rete croire gen correction qui doit porter. C'est pas l'amendement de la constitution que société a exigé, c'est le changement d'une constitution. Donc pour changer constitution lui-même en soi pas de jambe by formule pour changer. Donc automatiquement société a manifesté intention pour bon l'autre constitution. Donc pouvoir exécutif en place là qui a uniquement prendre décision de concert avec les secteurs de la vie nationale pour changer constitution. Marqué constitution paysan jusqu'à présent, il y a des bagages qui pas adapté avec réalité n'a vivre jour aujourd'hui là. Quand on a toute société à chaque moment donné, s'il faut que nous passions main dans constitution pour nous capable adapter avec moment n'a fonctionner avec moment ou bien temps n'a évolué, il est toujours bon. Mais nous pensons que ce qui est plus important dans ça gain pour avec constitution paysan, c'est principe pour que chaque individu cap gain pour participer dans constitution paysan, cap gain pour élaborer des lois pour que yo gagne yo même à tête yo, parce que constitution c'est vrai que gain bagaille qui doit changer la donne, mais nous pensons n'est pas mauvais totalement. Et contrairement à compatriote sa yo, Pascal Dujous pas ouais question en même genre. D'après lui, constitution 1987 là pas de jamais appliqué. Compatriote ça allait plus loin pour dire tout marché pressé qu'a fait yo, selon lui c'est une démarche pour satisfaire desiderata communauté internationale là. Et puis c'est international, nous président interprété le pas ici homme politique a interprété et où est yo même y a tonne interprétation dans université aux États-Unis son honte qu'il y a tout parce que bon institution qui là pour question ça qui c'est coup constitutionnel là, mais tellement c'est jeux de coquin que nous besoin fait. Nous pas jamais d'accord pour mettre institution ça au campé, ni conseil électoral permanent, ni conseil et ni la cour constitutionnelle là. Ça veut dire je dis à nous pas qu'à parler de changement constitution. La constitution de 1918, il était écrit aux États-Unis et puis était porté par Sud d'Atignav pour le publier. Et les monsieur ta font tentative pour font rébellion contre le petit et publier li, signé et publié, yo te dit moun k'ap vinn pour là, la publier. Et monsieur Tewel, monsieur pas fait l'autre bagaille, il était publié constitution ça. Et ben c'est même bagaille là qu'a proposé aujourd'hui, oui. Ça veut dire c'est sous pression internationale là, c'est international là qu'a demandé faut qu'on changement constitution qui fait dans intérêt. Et malgré position citoyen ça reconnaître Constitution 1987 la gen faille, même Jean ak l'idée l'autre couche dans population qui pas bien non plus façon exécutif là démarrer processus là yo quoi qui méritait yon débat en toute petite terre alors que sous bon parler cristallin Joseph DP considéré comme chantage position certains secteurs sous projet amendement constitutionnel.
c'est pour un débat qui est organisé sur question constitution hein, et pour débat ça fait dans tout secteur dans le pays, hein, même paysan, même masse populaire, tout secteur dans le pays doit participer dans le débat ça sans exclusion. Contestation, c'est chantage. C'est chantage et même les gens qui contestent, même tout sont d'accord au changement de constitution. Sauf que ils ne doivent pas d'accord c'est le pouvoir exécutif ça fait. Ils ont été d'accord c'est eux-mêmes qui viennent pour une transition, pour faire 3 ans et puis dans l'espace 3 ans pour le défaite. Mais peu importe les gens qui te fait là, fais-le avec eux, fais-le avec le pouvoir exécutif qui est en place là, société à lui-même lui demander une nouvelle constitution. En tout cas, je l'ai lundi 29 mars là, doit marquer 34e anniversaire constitution 1987 là. Côté depuis la veille, plusieurs secteurs, surtout opposants, farouches pouvoir, déjà a chauffé pour aller fouler béton hein, pour continuer dire non à plan dictati. Yodi, équipe Jovenel Moïse là, a cherché camper à travers projet amendement ça qui selon l'autre secteur tant coup Conseil national société civile là rete ouais par ouais yon passage obligé avant prochaine compétition électorale yo. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Merci Jean-Georges Blaise dans Cap Haïtien à l'occasion 34e anniversaire Constitution 87 long mouvement paysan la Cul du Nord profiter dénoncer projet référendum exécutif là compte organisé dans mois juin Cap Venela MPA a renouvelé attachement lié à Constitution 87 long dirigeant yo pas jamais voulait appliquer tout bon vrai détail avec Donald Jamais depuis Cap Haïtien. D'après dirigeant MPAO, mouvement paysan la Cul du Nord, pays d'Haïti pa gen nécessité dans moment là pour une nouvelle constitution. Yo exige plutôt pour moment loi 29 mars 87 là appliqué dans toute intégralité. Doudou Pierre Festil, c'est porte-parole MPA. Il faut nous dire tout c'est une meilleure constitution que Haïti connaît. C'est pas constitution le problème non. C'est application constitution. Et mais toute dictature, toute corrompue va plus appliquer. Nous-mêmes nous pour mobilisation pour Jovenel Tande, pour communauté internationale là qui a soutenu là Tande. Et nous mêmes comme organisation faut nous jouer nous comme ça doit pour nous capables boycotter référendum Jovenel d'y faire. Nous mêmes nous étions attachés à la constitution 1987. Doudou Pierre Festil fait déclaration ça dans occasion de journée bois l'idée militant et dirigeant MPA qui était sorti dans 6 sections communales la Cul du Nord était organisé 26 et 27 mars passé dans local yo qui dans première section Can Louise deux journées réflexion qui était chita sous conjoncture et qui était faite sous thème en garder ça qui a passé dans pays a pour changer réalité dans vivre là depuis Cap Haïtien deuxième ville pays d'Haïti Donald Germeus Caraïbes FM. Soti au Cap Haïtien a pralé aux États-Unis côté plusieurs Haïtiens qualifiés ou même de illégal démarche pouvoir pour organiser un référendum pour changer constitution 1987 là pour yon bon majorité compatriotes qui vivent sous territoire américain objectif initiative ça c'est protéger tête président Jovenel Moïse après mandat mais tout changer régime politique là en Haïti dans intérêt tigoupal cependant yon l'autre tigoup haïtien salué démarche président Jovenel Moïse et quoi gen en pile point intéressant dans avant projet nouvelle constitution hein, parmi yon intégration diaspora dans vie politique pays on suit yon reportage avec Luc Henson Saint-Ville depuis pays États-Unis. Référendum constitutionnel en Haïti, débat semblé traverser frontières. Dans mitan quelques discussions qu'a fait ici aux États-Unis, divers haïtiens ont opiné et bay position sous question. Dans la communauté qui gagne en pile haïtien qu'a vivre là-dedans yo, initiative président Jovenel Moïse l'a provoqué en pile commentaire. Projet a attiré en pile critique. Et si constitution pas prévoit référendum, un président qui élu démocratiquement dans élection ou pas capable organiser référendum. Pour tel son fleurissement, pas gain aucun côté dans constitution 1987 là qui prévoit référendum. D'après lui-même, président pas gain ni titre ni qualité pour lancer un processus comme ça. Président Jovenel pas qu'à annoncer l'a organiser référendum. Automatiquement, il a annoncé l'organiser référendum, ça sous-entend il n'est plus un président constitutionnel. Aussi simple que ça. Avait dit Kounyela,
président Jovenel son président de facto. Edens Debali même plus direct et parti à bord Jovenel Moïse. Pour analyse politique là qui très populaire dans New York, démarche ça c'est une soufflette pour tout haïtien. Il pas respecté peuple haïtien, il pas respecté et nous-mêmes tout qui en fait dans diaspora parce que Constitution 1987 là, lui-même il très clair, il dit pas gain droit gagner aucun référendum sous question constitution. Et deuxièmement, Jovenel Moïse prend initiative lui-même pour lui faire on l'autre constitution et bien l'autre constitution ça, il pas gagner aval population. Exercice là chargé problème depuis à la base et monde qui prend initiative là pas gain légitimité ou dit mettez lui clair sous ça, il dit lui catégoriquement contre projet. Selon lui, c'est pas constitution qui est responsable tout problème Haïti a confronté. Parce que bon, je veux dire, c'est pas constitution qui mettait nous côté nous là. C'est pas constitution qui fait gang contre le pays. C'est pas constitution qui fait nous pas gagner route, c'est pas constitution qui fait nous pas gagner de l'eau, c'est pas constitution qui fait nous pas gagner électricité, c'est pas constitution qui fait nous pas gagner bonne université, bon l'école, c'est pas constitution qui fait ça. C'est nous-mêmes même et tant qu'haïtiens qui toujours pensé que quoi que c'est des monde qui de passage, ça veut dire nous pas haïtiens authentiques. Changement constitution, il y a un processus qui demande temps et qui exigeait au minimum entente. C'est ça firmé Becker a déclaré bon côté pâle. Il y a un point qui a attiré attention professionnel haïtien ça a cap évolué Washington. C'est tout pouvoir qui peut le concentrer dans mais exécutif là. Nous pas sorti dans un extrême ça et que yo dit parlement qui a pile pouvoir et côté que nous parlons l'autre extrême côté que nous que yo mette en pile pour pouvoir sous président. Donc avant même que m'ta considéré pour que me voter lui, faut que m'ta étudié lui de fond en comble pour moi que est-ce que là il dans sens moi-même ou bien est-ce que là il dans sens pays il y a pour que nous capable ouais aller mieux. Na avant projet constitution ça qui gagne 282 articles, il prévoit effectivement un régime côté gagne un président sans premier ministre à qui un pouvoir législatif qui pas gain sénateur la donne. Crisidor cap vive New York ou en réforme constitutionnelle ça une stratégie chef l'état a fait pour pas aller répondre question la justice après mandat. Jovenel Moïse c'est un apprenti dictateur, OK, avec un projet dictatorial que même lui-même moi j'ai l'impression pas ouais comment libéral réussir. C'est un projet qui va le mettre tout puissant. C'est affaire pas Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a occupé. C'est vrai, les papes vivent aux États-Unis, mais Marie Elsie Gentil Chevalier décide de parler avec nous pour le dire contre projet référendum. Non. Selon compatriote ça qui émigré au Canada depuis 32 ans, ça le voit assez pas une nouvelle constitution. Madame Chevalier, mandé peuple haïtien. Hein? Pour pas sortir à voter jour référendum non. J'ai pouvoir souhaiter ça. Moi même encourager peuple là puis gal voter et puis illégal tout parce que c'est ou pas ka vote ou pas ka faire référendum pour deux trois bagay ou changer la constitution, c'est soit pour une nouvelle constitution qu'a faire référendum article 184.3 c'est ça le dit. Même si yo pas d'accord haïtien ça yo croit gen certains articles qui doit changer dans l'idée pour pays à adapter à nouvelle réalité sociale yo. D'après ça, il dit moment pas favorable et projet ça pas qu'a fait avec Jovenel Moïse. Pourtant, il y a un autre groupe compatriote qui a une position différente. Nandine Joseph dit d'accord à référendum constitutionnel là qui selon lui-même pral contribuer nan changer en pile bagaille. C'est un bagaille qui positif envers nous-mêmes qui vivons dans diaspora et Fren Action nous tout cap vive en Haïti hein. La pote du bien les deux côtés. Si on démarche pour nous ta bail tout support nous cap bail pour ça sorti pour à la fin pour nous ca joindre un résultat positif. Moi-même moi pour lui. Maestro Junior Constant aller dans même sens là, il y applaudit lui-même tout initiative là pour justifier position là. Jeune haïtien ça cap évolué New Jersey cité comme exemple chapitre qui concerne intégration diaspora dans vie politique pays a autant de fois diaspora capable intégrer dans tout ça de Azek jusqu'à la présidence. Moi c'est que c'est un très bon bagaille pour pays parce que
diaspora qui dit va aller en vacances ou elle va trouver l'en dehors du pays depuis le respecter les normes. Vous pensez que li bon non seulement pour diaspora ni pour propre pays nous qui est Haïti, mais n'a besoin des autorités pour qu'ils fassent respecter la loi, on va appliquer la loi. En attendant votre référendum nan, qui prévoit pour moi juin qu'a venir là, comité consultatif indépendant a continué à organiser rencontre et puis faire échange sous texte là. Ici à aux États-Unis, dans plusieurs grandes villes côté qui gagne pile haïtien, diverses activités étaient réalisées week-end passé là pour être capable marquer 34e anniversaire adoption constitution 1987 là. Samedi, gagne un sitting qui était organisé devant statue Toussaint l'ouverture dans Miami dans l'état Floride pour dire non à dictature et plaider en faveur respect constitution. Depuis les États-Unis, Luxon de Saint-Ville pour Caraïbes FM. Merci un peu, Luxon Saint-Ville. Ça, c'est le grand cri, le cri de la diaspora haïtienne qui, eux-mêmes, en terre étrangère, qui vivent toutes sortes de nostalgies, qui en vivent une famille, maman, papa qui en Haïti, et même petit en Haïti, qui fait transit de préférence Santo Domingo, qui loue kay pou yo, et bien toute devise, tout ça t'a voyé comme transfert dans le pays d'Haïti, quoi il a transité vers la République Dominicaine, et vous t'a partagé coup l'indignation et frustration yo, avec collaborateur nous, qui lui-même t'a présenté un reportage, ça, c'est Nixon, Luxon Saint-Ville, depuis en terre étrangère, qui lui-même a couvri, attendez, eh bien, qu'apprend revendication freine action qui n'a payé l'autre bord de l'eau.